Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours aussi fidèles et nombreux après une séance de yoga bénéfique. Une autre. Merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. On est le 3 mars 2020, 16h22 heure du Québec. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé un petit message pour me parler d'un problème de son. C'est pas le microphone, c'est pas l'ordinateur, c'est plus le fait que je n'ai pas redémarré l'ordi, parce que moi, je, je, je fais beaucoup de travail, beaucoup de recherches sur l'ordi, vous le savez. Et en allant voir souvent plusieurs sites, on se contamine. Les enfants sont. J'ai trois garçons qui jouent à Fortnite. C'est très lourd comme jeu, parce qu'ils sont en vacances, naturellement. Ils ont besoin d'une semaine de relâche, parce qu'ils ne font rien à l'école, donc ils sont fatigués de rien faire. Donc, pour emmerder les parents, c'est quoi de mieux que de d'avoir des syndicats qui pensent à nous et qui donnent une semaine de congé à leurs enseignants. Et là, j'ai les trois garçons qui jouent à Fortnite, ça vient de tirer du jeu, même si j'ai un, un des internets les plus puissants et les plus performants. J'ai oublié de redémarrer l'ordi ce matin, j'étais un petit peu euh, pressé. J'ai pris une chance, je ne me suis pas réécouté, puis ça a donné le résultat que ça a donné. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé un message pour me prévenir. Donc, je vous refais, euh, grosso modo, je parlais de ce qui s'est passé aujourd'hui, depuis... 48-72 heures. Je vous parlais aussi de ce sujet que je veux vous partager absolument sur une certaine orbite terrestre que quelqu'un a expérimentée euh, sur un site hein, euh, de façon euh, hypothétique et qui nous amène sur un parcours que cette orbite-là aurait et ça nous fait visiter étonnamment plein de sites qui ont plein de choses en commun et qui sont à des milliers et des milliers de kilomètres les uns des autres vraiment fascinants. Honnêtement, et cette orbite-là, qui est une orbite de deux jours, alors qu'on sait que ça prend un jour de faire le, le tour de la Terre, se retrouve à l'autre côté, pendant que la Terre a fait son tour, dans une journée, et revient au point de départ. Tout ça, naturellement, à l'extérieur de la... à une distance qui, est, qui nous amène dans une, une orbite qui est allongée, celle qu'il a euh, utilisée pour nous démontrer son point de vue, qui est fascinant. Une orbite qui te laisse en plus à l'extérieur de la fameuse ceinture de Van Allen, qui est dommageable pour la santé, dommageable pour l'équipement électronique. C'est une orbite aussi qu'il garde toujours, toujours dans le soleil, donc il n'y a jamais d'ombre. Donc tu peux utiliser cette énergie-là pour faire plein de choses avec, que tu pourrais peut-être même envoyer de l'énergie sur Terre, de la lumière à des endroits où c'est sombre ou peu importe. En tout cas, c'est vraiment fascinant. Mais surtout, ce qui est le plus fascinant, c'est que cette orbite-là, qui aurait pu être utilisée par des visiteurs, peut-être, nous amène sur un parcours sur la Terre complètement fascinant. On va aller voir ça ensemble. Mais avant, je, voulais, je faisais un résumé de ce qui s'est passé hein, dans les, au niveau climatique, dans les. Dans, disons, dans la dernière semaine, parce que les médias traditionnels... Vous en parle pas, ils vous amènent une fois de nouvelles d'une catastrophe quand ils n'ont pas le choix. Mais en général, à tous les jours, il y a plein de catastrophes qui se vivent, que ce soit des glissements de terrain, des inondations, des tempêtes, des tornades aux États-Unis, à Nashville, qui ont causé la mort de 20 personnes déjà, alors qu'on est loin d'être en saison, des tornades, des tempêtes partout, vous avez vu aux euh, euh, en, en Europe avec Yorgué, et plein d'autres événements quotidiens qui viennent. Détruire la vie de centaines de milliers et de centaines de millions d'êtres humains, des frères et des sœurs, on n'en parle pas. Donc, c'est ça qui était un peu mon propos. On essaie de vous vendre l'idée qu'on est capable de sauver la planète, de changer les, le cours des choses. C'est complètement, complètement aberrant. Je disais que les Européens sont complètement... sont tombés dans le piège de cette idéologie-là parce qu'on les a matraqués avec les médias, les élites. et Ils sont naïfs, ils ont embarqué dans ce piège-là. C'est un peu comme le chasseur et le gibier, hein? Le gibier, de génération en génération, que tu prennes le lièvre, le canard, l'oie, ou peu importe, va toujours se faire piéger par <laughs> le chasseur. Essaye de comprendre pourquoi, mais ça ne semble pas rentrer dans la tête du gibier. Il passe toujours par le même chemin, puis il se fait toujours attraper de génération en génération depuis des milliers d'années. Donc, on est un peu pareil, nous autres les humains, on se fait piéger par des politiciens, par des élites qui nous vendent une salade pour nous piéger, qui nous mettent des pièges à ours un peu partout, puis on tombe toujours dedans, puis à chaque fois on se dit c'est la dernière fois que je tombe dedans, puis la première chose qu'on fait une fois qu'on est sorti du piège, c'est qu'on tombe dans un autre piège. Parce que c'est ainsi faite la nature humaine, on est très naïf et on prend pour du cash ce que des crapules nous disent. C'est un petit peu ça le problème. Une forte tornade frappe Nashville, causant d'importants dégâts. Au moins 19 victimes et 40 structures sont détruites. Au Tennessee, on a eu ici beaucoup d'éruptions volcaniques ces dernières semaines. Et là, on a eu nos Mérapies, qui est très importante. On, je salue en même temps un, je, un, un abonné de l'île de la Réunion qui m'avait envoyé un lien. Euh, je le salue et on salue tous les gens de l'île de, de la Réunion parce qu'on a des gens de partout. C'est ça qui est formidable et c'est ça qui est génial. Du Japon. Euh, de l'Indonésie, on a des gens euh, d'Australie, des États-Unis, naturellement d'Europe, qu'on salue nos cousins français et tous les autres amis européens. On a des gens des Amériques, j'ai vraiment je suis très choyé, on est choyé d'avoir tout ce monde là avec nous. Éruption puissante au volcan Merapi, des cendres à 10 km, on peut voir une photo saisissante ici. Il y a eu une éruption de haut niveau qui a eu lieu euh, hier. Les coulées pyroplastiques sont descendues sur deux kilomètres le long des pentes du volcan, nous rapporte l'Indonesia Geology, Geology and Volcanology Research Agency. L'éruption a été enregistrée sur le sismogramme avec une amplitude maximale de 75 mm et une durée de 40 450 secondes. Le code de couleur de l'aviation est passé de l'orange au rouge, donc il y a beaucoup, beaucoup d'images. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Maintenant, il y avait cette tornade, hein? imaginez-vous, qui a frappé plusieurs États, mais surtout le Tennessee, Nashville, Tennessee, avec des images encore euh, foudroyantes, vous allez voir. On parle de 20 morts. Euh, C'est complètement, complètement hallucinant. On a la tempête Yorgé, qui a laissé énormément, énormément d'eau. On a eu des inondations euh, éclairs. Le mois de février est le plus pluvieux jamais enregistré et le cinquième mois de tout mois confondu le plus humide. Encore là des images complètement complètement hallucinantes, transversantes, les gens ont de l'eau jusqu'aux oreilles. Rio de Janeiro, la même chose. Hein, on est à des milliers et des milliers de kilomètres. Hein. Alerte rouge après de fortes pluies déclenchant des inondations et des glissements de terre immortels au Brésil. Encore là, des images vraiment à décrocher une larme. Maintenant, on a eu un phénomène très exceptionnel cette fois-là dans l'État de New York, où des maisons ont été complètement, complètement transformées en maisons de glace. On peut voir des images spectaculaires, une neige intense. Défait de lac à ferrage dans le nord de l'État de New York, le 28 février 2020, laissant des ondes le long du lac Erie entièrement recouvertes de glace. Dans certaines zones, jusqu'à 4 mètres d'épaisseur, les résidents ont décrit les conditions comme surréalistes, faisant remarquer que c'était la première fois que le revêtement de glace était aussi grave. Non, ce pas des maisons en sucre, ni euh, des euh, maquettes, ce sont vraiment de vraies maisons complètement, complètement... Et là aussi, je vous laisserai le. Ben, vous allez avoir le lien des observateurs. Donc, vous aurez le lien de toutes ces nouvelles-là. On revient sur ce qui s'est passé à Jakarta. 45 000 personnes déplacées, plusieurs morts là aussi. Je pense qu'on a plus de. plusieurs maisons qui ont été. Euh, les décès hein, de plusieurs citoyens ont été aussi euh, confirmés, malheureusement. Regardez les images. Encore une fois, les images qui, franchement, veulent tout dire. Gary Allison qui dit « L'Indonésie s'enfonce, c'est pourquoi les inondations presque continuent. » Et ils déplace la capitale. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de météorites qui sont vues partout. En ce moment, il y en aura de plus en plus, et même dans les Écritures saintes, selon certains de nos abonnés qui nous disent que, les, c est, c est, que le feu tombera la, du ciel. Ben, de plus en plus, hein, on, ré, on répertorie de plus en plus de ces événements-là. Les gens les voient, les répertorient, appellent les autorités. Il y a des conséquences à l'occasion qui sont graves, d'autres fois il n'y en a pas, mais je peux vous dire une chose. Il y a, ça se multiplie et c'est juste une question de temps avant que ce soit grave. On a déjà eu des, déjà eu des événements très, très graves hein, de ces euh, météorites ou astéroïdes qui sont venus s'écraser sur la Terre. Moscou enregistre l'hiver le plus chaud depuis 1880, depuis qu'on tient des registres. La saison d'hiver 2019-2020, un peu comme nous ici, a été la saison la plus chaude de Moscou depuis le début de la tenue des registres il y a 140 ans probablement, gracieuseté, gracieuseté d'El Nino, dont je vous avais parlé un peu, euh, du phénomène en 2000 fin 2018, où les, certains scientifiques nous avaient annoncé un petit El Nino, mais on n'était pas certain de la durée et jusqu'où il était pour aller s'étendre. Ben là, je pense qu'on le sait. Il est venu s'étendre jusqu'en 2020, peut-être plus, on verra bien. Ici aussi, aujourd'hui, c'est très doux, 6 degrés, ça fond, il y a eu de la pluie. Des pluies intenses au Honduras, dans le nord-est du Honduras. Deux morts, 800 déplacés et 17 000 affectés. Ça, c'est le 3 mars. C'est aujourd'hui. Les boules de feu brillantes traversent le nord-ouest de l'Allemagne et aussi principalement les Pays-Bas et la Belgique. Moi, je vous le dis, c'est une question de temps. Il y a déjà eu. Tout le monde se rappelle de cet événement-là en Russie il y a six ans, cinq ans, où il y a eu des milliers, des milliers d'immeubles touchés, des vitres fracassées, des gens blessés. Gravement. L'activité volcanique augmente en euh, Nouvelle-Zélande. 3 mars, une forte tornade, on l'a vu, Merapi. Le sud du Brésil frissonne à travers un record froid. Un record, un froid estival très rare. C'est hier, la ville de San Sao Joaquim à Santa Catarina dans le sud du Brésil a enregistré son quatrième gel de l'été, imaginez-vous, 2020 en février, selon l'agence en ligne de la municipalité. Ce fut également la deuxième vague de froid dans le pays pour le mois, ce qui est considéré comme extrêmement rare. Plus de 55 700 têtes de bétail périssent dans des conditions hivernales extrême dans le nord-ouest de la Mongolie. Les intempéries hivernales, également appelées djoud en Mongolie, ont tué plus de 55 700 têtes de bétail dans la province du nord-ouest depuis 2019, a fait savoir le département principal de l'agriculture le lundi 2 mars, donc hier, la tempête Yorgay. Alors, toutes ces nouvelles-là, le temps estival sauvage de l'Australie se termine avec de la neige en Tasmanie. Après un été extrême des orages et de la grêle aux tempêtes de poussière et aux incendies de forêt, la saison dramatique en Australie s'est terminée avec un coup de neige en Tasmanie. Et ça continue et ça continue. Perth euh, bat un record avec cinq jours consécutifs d'orages d'été en Australie. On est le 1er mars. Plus de 45 000 déplacés à Jakarta. Et euh, une tempête hivernale entraîne des accidents faisant un mort et huit blessés dans le sud de l'Allemagne. Et on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Et ça, c'est seulement au cours des derniers jours. Imaginez-vous. Ça, c'est sans compter la crise qu'on a sur les bras en ce moment. Je n'ai pas besoin de vous en parler. Et il y, aura plein, il y a plein d'autres nouvelles dont je vais vous parler aussi. En, Mongoli, en Mongolie, c'est la même nouvelle. Il fait tellement froid qu'on a plus de 55 000 euh, animaux qui meurent. Les tornades. On s'attend... Il euh, y a l'effondrement des chutes d'Inagara aussi. On va aller voir ça plus tard. Euh, on s'attend au gros tremblement de terre en, 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 pas loin de la fameuse faille... De, avec la fameuse faille de Cascadia. On s'attend au gros. Hein, ça, c'est dans le coin de Washington. Le gros s'en vient. de big one is coming! Donc, beaucoup, beaucoup de choses. Mais je voulais vous partager surtout les euh, conditions climatiques des derniers jours parce que... Les gens ne le savent pas ce qui se passe. On, on regarde la télé et à la télé, on a bien ce qu'on veut nous mettre à la télé. Hein. Donc, c'était ça qui il avait été le sujet de cette petite publication ce matin que je reprends parce qu'il y a eu un problème de son. Et je m'en viens avec cette histoire fantastique de cette orbite. Je suis tombé là-dessus par hasard, chanceux des fois, j'ai des petits bijoux. Ça nous rappelle que la science, la science change. La science d'il y a 50 ans, la science d'il y a 100 ans, n'a plus rien à voir avec la science d'aujourd'hui. La science, d'abord, nous a appris qu'on ne provient pas d'une évolution euh, du primat. Notre ADN n'a rien à voir avec ça. Il n'y a pas longtemps, on aurait jamais, les scientifiques n'auraient jamais reconnu qu'il y des mouvements de plaques tectoniques qui auraient pu changer la face de la Terre. La science évolue, la science change. Ce qu'on nous a raconté il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, c'est tout remis en question. Ce a dans les livres d'histoire, c'est remis en question. Et tout ça, c'est tout remis en perspective dans cette vidéo sur laquelle je suis tombé, que je vais vous résumer, et je vous avoue, vous allez tomber en bas de votre chaise. Est-ce que nous sommes les visiteurs? Est-ce que nous, on vient d'ailleurs? Je commence à avoir vraiment, vraiment mes convictions là-dessus vraiment mes convictions. On est il y a 200 000 ans à peu près ici notre présence sur Terre et on n'a pas changé. Il y a des civilisations anciennes qui étaient probablement plus avancées avec des technologies, une mentalité différente, des valeurs différentes. Hein. On a changé, on a des, mises à, des remises à zéro. Et c'est tout ça qui est important de comprendre. Si vous êtes encore à vous, vous en remettre à ce que vous avez dans vos livres d'histoire, vous êtes en retard. Venez nous rejoindre. Vous avez vraiment besoin de venir nous rejoindre, là. Parce que, franchement, vous avez manqué tout un bout. Oh, vous êtes vraiment naïf. Je vous reviens.